Allez, salut à tous, et bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, mesdames et messieurs. Très heureux de vous retrouver aujourd'hui sur Homecy 2 pour le dernier épisode sur les mentals. Tout simplement, après viendra le tutoriel et la mise en ligne de l'i-list du coup qu'on a modifié avec toute la team et pas mal d'abonnés qui m'ont aidé à tripatouiller tout ça, ainsi que Agorès114 qui nous a aidé à débugger certaines choses, etc. Donc merci à toutes les personnes ayant été impliquées dans la création de cette i-list spécialement pour les mentals V3 updated. Aujourd'hui, on va faire la ligne numéro 31, c'est une ligne de nuit, mais aussi de matin. Voilà, genre la ligne, elle passe à 4h du matin, à 5h, ou après c'est 21h, 22h et 23h minuit. Là, il est minuit 9, on est à à Bahnhofsost, tout simplement, donc à la gare. Et on est avec un Solaris Urbino, du coup Euro 6, PL, tableau de bord Axia, comme vous pouvez voir, livré RVL, donc les mentales. Bye Guillaume, voilà, donc merci à lui. Il y en avait déjà une de disponible, mais elle était un petit peu moins sympathique. Voilà, lui nous a fait une livrée en fait effet Solaris sur Bino 4, comme il a l'habitude d'en faire. Et du coup, voilà un petit peu ce que le bazar donne. Du coup, aussi, une autre petite chose, c'est que j'ai adapté sur ce bus le klaxon de SkyX. Du coup, quelqu'un qui a monté aussi son projet, donc avec une société virtuelle, etc. Créabus pour ceux qui ne connaissent pas. Et du coup, voilà ce que ça donne en thème de klaxon. Donc bon, c'est pas dégueu et c'est même plutôt réaliste et sympathique. Du coup, je me suis dit, je vais l'adapter sur le bus, ça va donner un truc sympa. Hop, on allume nos feux quand même, voilà, nickel. Et du coup, on va prendre notre service, en tout cas la ligne est déjà présélectionnée ici. Donc on fait la 31 à destination de Konisrat, normalement, voilà, Konisrat Bahnhof, nickel. On a les caméras arrière, bien sûr, donc pour l'ouverture des portes, ça c'est bien, bien stylé. On va mettre un petit peu de chauffage et puis on va partir tout simplement du coup pour ce petit service de nuit. Une ligne assez longue quand même, mesdames et messieurs, puisque voilà, ça va être une vidéo environ de 50 minutes quand même. Donc ligne assez longue, on est parti, on va avancer le temps une fois qu'on sera à l'arrêt. Mais déjà là on doit faire demi-tour tout simplement, hop, voilà, nickel. Tchung tchung tchung. Par contre, toi, j'aimerais que tu te décales un petit peu plus comme ça, et toi, un peu plus comme ça. Hop, ce sera plus pratique. Et du coup, let's go. Let's go, let's go, on est en boîte ZF, mesdames et messieurs. Hop, ici. Nickel. Et on va augmenter un petit peu le son du jeu pour entendre un petit peu plus les sons, qui sont quand même très très sympathiques, bien sûr, sur ces Solaris PL, que j'aime franchement beaucoup. Voilà, donc vous avez toute la gamme, 12 mètres, 15 mètres, 18 mètres, il n'y a pas les... Si, il y a aussi 10 mètres, 10 mètres, 12 mètres, 15 mètres, 18 mètres. Vous avez tout ça, donc en 3 versions de tableau de bord différentes, etc. Et en plus, on a une petite girouette alternative ou défilante, je sais plus comment ça s'appelle. Je pense que c'est alternative, celle-là, donc en tout cas, bien, bien stylée. On va augmenter un petit peu le son du jeu. Voici, nickel. Et bien du coup, let's go. On part dans combien de temps, nous? Nous on part dans 2 minutes, donc on va avancer le temps tranquillou. On risque de pas avoir grand monde, hein, clairement, sur cette ligne, puisque bah écoutez, il est quand même minuit passé. Voilà, donc bon. En plus, on n'est pas vendredi soir, on est mardi soir, donc clairement, va pas y avoir grand monde. Et du coup, on s'arrêtera, enfin, on terminera à l'aéroport de Konisrat. Voilà, voilà. Du coup, bah écoutez, pas grand monde de prévu pour ce soir, mais bon, ça peut réserver quand même quelques surprises, donc bon, on va bien voir. Ici, en termes de vue, je me calibre, nickel, hop, et c'est parfait. Du coup, on peut y aller, let's go, let's go, hop. Pour ceux qui veulent la livrée, le lien sera en description. Pour ceux qui veulent le gong, ça sera aussi en description. Par contre, il faut l'adapter sur le bus, c'est un petit peu compliqué, parce qu'en fait, il faut remplacer, enfin, c'est compliqué, il faut remplacer le fichier son du Solaris PL, mais il s'appelle pas comme ce fichier ne s'appelle pas du même nom que les mains de base. Du coup, c'est un petit peu différent si vous voulez que ce qu'on a actuellement pour d'autres bus. Mais en fait, sur ce Solaris PL, il faut modifier les fichiers klaxon qui sont du coup dans le dossier modèle ou script, je sais plus. Mais bon, voilà. Hop. En tout cas, les sons, hein, sont toujours autant excellents sur ce bus, c'est vraiment un plaisir. Et on va mettre même, vu qu'on a un petit peu de temps, le fait que ça s'abaisse automatiquement. Comme ça, ce sera agréable pour nos passagers. Et puis voilà, c'est vrai que ça fait quand même perdre du temps généralement, parce qu'il faut le temps que ça s'abaisse. Voilà, mais bon, c'est pas plus gênant que ça. À savoir que ça fait perdre du temps, oui et non, parce que sur ce Solaris PL, ce qui est vachement bien, c'est qu'en fait, regardez, donc je vais m'arrêter, mettons, je vais ouvrir ma porte. Voilà, donc ça, déjà la porte s'ouvre en même temps que ça s'abaisse,
Et en plus, du coup, quand je referme la porte, eh bien, non. Non, en fait, j'ai cru que ça... En fait, j'ai cru qu'on pouvait repartir et que ça se remontait au fur et à mesure, mais non, en fait. Non, non, en fait, on est bien obligé d'attendre quand même que bah, tout simplement, l'agenouillement, voilà, donc se désactive, mais du coup, ça nous fait quand même perdre du temps, mais bon. Là, vu qu'on a très peu de passagers, je me dis qu'on va quand même le faire. Boîte ZF, en tout cas, qui est très, très sympathique en termes de son, même si j'ai quand même une petite préférence pour les boîtes voice, personnellement. Je préfère les voice. Je trouve que c'est plus linéaire au niveau des rapports, c'est plus agréable... Je trouve. Bon, après, c'est mon choix, hein, et puis je vais certainement me faire taper par plein de gens qui trouvent que les boîtes ZF, c'est merveilleux, magnifique. Mais voilà. Écoutez, chacun ses goûts. Moi, je préfère les voice, mais là, je me suis dit, bon, allez, on va prendre une ZF, parce que, voilà, en fait, ce qui est bien pour les ZF, c'est que quand vous êtes un peu sur l'interurbain, etc., parce qu'il y a 8 rapports de mémoire, alors que sur les voice, vous avez que 4 rapports, du coup, bah, voilà, c'est quand même différent. Et vous avez des sensations qui sont là aussi différentes et moins d'à-coups pour le coup en boîte voice quand vous faites de la ville. Par contre, voilà, quand il doit faire de la reprise, etc., vu que les rapports sont plus longs, du coup, bah, ça, il y a un peu moins de patates. Voilà, il y a un peu moins de patates sur les bus qui sont tout simplement en voice. Hop, alors qu'on a un Mercedes-Benz O530 L. Devant nous, donc lui aussi qui va à Konisrat par Bonheur-Gourtel. Nous, je sais pas si on passe par Bonheur-Gourtel. Si on passe aussi par Bonheur-Gourtel, du coup que vous preniez le bus devant ou le mien, ça ne change rien. Peut-être que la 31 il va plus vite. Parce que moi c'est mon terminus, lui peut-être qu'il vient pas de démarrer la ligne alors que nous on vient tout juste. Donc bon, je sais pas si on va emprunter le même itinéraire, mais ça m'étonnerait quand même. Ah, mais attendez, bah oui, bah attendez, il y a un souci là. Pourquoi je fais la 31 et lui aussi il fait la 31 et. Mais j'ai pas percuté, mais il fait la même ligne que nous, le coco. Mais pourquoi on est deux bus? Mais il y a un souci pourtant. Moi je suis à l'heure, hein. Ou alors c'est. Bah c'est lui qui doit être hyper en retard, hein. Bizarre. Qu'est-ce qu'il fait le collègue là? Faudrait aller lui toucher deux mots là parce que il est en train de me piquer mes passagers en fait. Qu'est-ce qu'il nous fait le collègue? Étrange. J'ai bien pris mon service, hein, comme vous pouvez voir, donc normalement je dois être seul à effectuer la rotation. Mais bizarre. Par contre, oui, la petite lumière pour les passagers quand même. Ce serait sympa pour eux. Voilà. Mais je sais pas ce qu'il nous fait le collègue. Hein. Je sais pas ce qu'il nous fait. Alors, lui il monte dans le mien. Ouais, on va essayer de le doubler. Vous savez quoi? On va essayer de le doubler. Parce qu'il nous pique nos passagers. Allez, avance. Putain, il met 107 ans en plus. Allez, boîte ZF en action. Oh là là, ça monte haut dans les tours. Hein. Ça monte haut dans les tours, c'est l'avantage hein, de la ZF. C'est que franchement, il y a de la patate. Et c'est bien, on a de la reprise. On a de la reprise. Lui aussi, il doit être en ZF, hein, je pense, le collègue. Ouais, on va pas réussir à le carotte. Parce que là, on reprend le même itinéraire. Hop, on va peut-être prendre une petite photo par contre. Ça peut être plutôt sympa. Alors comment la prendre? Je sais pas comment on peut la prendre. On la prendra je pense à un arrêt. Ou sinon on peut la prendre comme ça, peut-être la miniature. Ouais, c'est pas très joli. Hein. Moi j'ai fait un petit peu n'importe quoi sur mon tournant. Oh là là, la ZF c'est sympa quand même. Hein. C'est sympa. C'est en termes de son, je préfère une ZF. À conduire, je préfère une voice. Voilà. Clairement, voilà un petit peu mes choix. Oula, attention, le petit ralentisseur que j'ai failli oublier. Mais du coup, ouais, c'est vrai que le collègue qui fait la même ligne que moi, c'est quand même assez étrange cette histoire. On va prendre une photo comme ça, du coup. Parce que du coup, il me carotte tous mes passagers, le collègue. Donc un arrêt où on aura personne qui monte, on le doublera. Mais là, ouais, je pense que c'est un problème directement sur l'Elemental Update. Hein. Normalement, il n'est pas censé avoir deux bus qui font la même ligne. Alors peut-être qu'après, il y a eu un bug aussi. Il a peut-être pas remplacé le service hein, quand je l'ai pris. Mais c'est étrange. C'est étrange. Nächste Haltestelle.
Allez, on va tenter le carotte là. Parce que il va aller à gauche comme moi. Ah. Oh là, oh là, oh là. Nice, on l'a eu. On l'a eu, on l'a eu. Ça y est, il s'est avoué vaincu. Il a vu que je fonçais sur son rétro de gauche, il a pas avancé. On l'a eu, mesdames et messieurs. On a eu le collègue, on l'a piégé. Ah ah, maintenant il est derrière. Ok, bon bah du coup vous voyez un des bus hein, qu'on a en I-List, hein, le 530L, qui est bien stylé. Merde, moi je grille le feu, quel con. J'ai vu que c'était vert ici, je me suis dit je vais y aller. Donc voilà, petit O530L avec une girouette donc à LED. Bien sympa. Bien sympa, bien sympa. Franchement, aux couleurs de RVL, et c'est bien joli. C'est bien joli. Hop. Alors, est-ce qu'il est pour moi, lui? Je pense, ouais. Je pense qu'ils le sont. Bonjour, madame. Non, non, restez. Non, monsieur, monsieur, venez dans mon bus. N'allez pas... Ah, lui, il veut pas monter. Okay. Le but, c'est de pas perdre passagers. Ça veut dire qu'il faut lui carotte tous ses passagers. Parce que, bon... Écoutez, on est d'accord que, voilà, mon bus, c'est le meilleur. En plus... Désolé, le petit klaxon. Alors, il y a un petit bug quand même, c'est que, en fait, si on reste appuyé, ça le relance direct. Mais comme je vous dis, c'est un petit peu différent, si vous voulez, ce bus polonais, enfin, le pack PL par rapport aux autres. Il a des scripts qui lui sont bien à lui, d'ailleurs, et c'est ce qui fait aussi, bah, écoutez, sa spécificité et tout simplement le fait qu'il est extrêmement cool. On a plein de gadgets, de caméras, etc. Plein de trucs à configurer. Mais du coup, c'est vrai que si je reste appuyé sur le klaxon, ça le relance directement. En fait, j'ai juste à faire appuyer une fois. Il faut pas que j'appuie une deuxième fois, sinon, bah, ça fait pas RP, tout simplement le mec qui klaxonne comme ça quoi. Bref, vous m'avez compris. Alors, prochain arrêt, Vierbochen. Mais attendez, Tiata, mais il m'avait pas passé les arrêts là, Marc. Pourquoi il me les avait pas passé? Bonheur. Voilà, là normalement c'est bon. France quelque chose. Il m'avait pas passé mes arrêts, le copain. J'avais même pas fait gaffe. Nice. Et en termes d'horaire, bah c'est bon, je les respecte. Mais il m'avait pas passé les arrêts, ouais. Je l'avais même pas remarqué. On va voir là s'il me le passe. Normalement il devrait, mais. Étrange. Étrange, étrange. Donc il y a vraiment pas un chat là. Clairement c'est calme. Hein. C'est calme, c'est calme. Petite ligne de nuit. Hop. Est-ce qu'on a du monde ici? Il m'a pas passé l'arrêt, hein, du coup je le passe manuellement. Non. Marine Morgan, y a personne. Très bien. Alors que là on avait un site propre juste pour l'arrêt. Au bout d'un moment, à force de rouler, quand même, on va prendre de l'avance si on n'avait jamais personne aux arrêts. Par contre, ça lag un petit peu, ouais, de nuit. Là, ça c'est directement MC2, mesdames et messieurs. Il n'y a pas de mystère, et ça y est, on commence à avoir de l'avance. Du coup, on va réguler à cet arrêt-ci. Les sons ZF, ouais, donc ils sont quand même vachement agréables, mais c'est vrai qu'il y a tellement de rapports que du coup, quand ça rétrograde le rapport, c'est pas forcément hyper agréable, je pense, pour les passagers. Hop. Hey, bonjour, monsieur. Ah, oh, ouais, vous êtes relou, monsieur. Je vais rentrer par l'arrière, lui. Oh nickel. En tout cas, ça fait zizir quand même cette petite girouette qui défile là. Par contre, elle est un petit peu buggée. Il y a marqué Uber, je pense. Donc Uber Grundschildken et Uber Bonheur Gurtel. Donc via Bonheur Gurtel et Undschildken. C'est quoi Undschildken? C'est où? Bonheur Gurtel. C'est. Attendez. Grundschild. C'est où Grundschild machin truc? Après c'est peut-être GDSK. Ouais, selon c'est GDSK en fait, ça correspond à la ville. Via cette ville et via quoi d'autre? Il met Bonheur Gurtel. Mais il n'y a pas Bonheur Gurtel. Ah si, c'est ça, ok. Donc on passe par Bonheur Gurtel, donc c'est une ville, Bonheur Gurtel. Et après GSDK, ça c'est une autre ville ça. Vous verrez quand on y arrivera. Enfin bref, on va fermer nos petites portes quand même. Par contre, on n'a pas de bip bip au niveau de la porte arrière. Non, on n'a pas. Et si je fais ça?
Non. Ok, on n'a pas. On n'a pas. Bon, bah, très bien. Très bien, tant pis. C'est vrai que c'est bizarre quand même que le collègue soit là derrière. Bon, en soi, on s'en fout, hein, il est derrière. Hein. Tant pis pour lui, c'est un loser. Voilà, nous, on est les vainqueurs. Et on file en direction de Krokrokstrat, machin, là, Königstrat, Bahnhof. Voilà. Donc, tout simplement, la gare. Donc, vous connaissez bien maintenant, puisqu'il y a quand même pas mal de gares, en fait, qui s'arrêtent à Königstrat. Donc, vous la connaissez. Et puis, on va passer, en fait, le petit symbole aéroport, ça... Ça correspond du coup au Flughafen de Königstrat par lequel on va passer. De toute façon, vous allez reconnaître. Hein, à mon avis, même sur l'affiche horaire, on peut voir qu'on va prendre un petit bout d'autoroute. Voilà, entre GSDK et Königstrat, il y a 5 minutes d'autoroute. Du coup, on va voir s'il y a autant de trafic qu'en journée. Parce que cette autoroute est quand même vachement bien. Voilà, vachement bien. Comment on appelle ça Je sais plus. Je sais plus ce que je voulais dire, mais... Ouais, non, si, elle est vachement bien embouteillée, voilà, c'est ce que je voulais dire. Parce que dans les précédentes vidéos, on a vu qu'il y a quand même pas mal de monde. Elle est vachement bien, voilà, vachement bien empruntée, c'est ce que je voulais dire, en fait. Elle est beaucoup empruntée, cette autoroute, puisque dans les dernières vidéos, quand même, vous avez dû voir que il y avait du peuple, quand même. Et du coup c'est parti, petit coup de tunnel qu'on a aussi déjà emprunté, celui-là. Mais bon, de toute façon là on a quasi tout fait, hein, puisque c'est la dernière ligne sur l'Emmental. Donc on a tout fait, mesdames et messieurs, vous aurez tout vu sur cette l'Emmental update, du coup V3 update. Vous aurez tout vu, il n'y a pas de ligne 37, on a fait toutes les lignes. Lui il va au dépôt je pense, voilà, en City White GN14, donc un autre bus qui est dispo dans la A-list. Donc il sera disponible, bah écoutez, quand je vous aurai fait le tuto pour installer l'Emmental, vous aurez... La petite Ailis des familles. Alors, est-ce qu'il m'a passé l'arrêt Bonheur Gurtel, Zach. Ah, il me passe pas les arrêts, il va falloir que je les passe. Hop. Bonjour. Pas de soucis, monsieur. Voici votre ticket. Et votre monnaie. Hop. Nickel. Hop. Parfait. 31 à droite. Et donc là, on a un petit feu supplémentaire pour tourner à droite. C'est vrai qu'il y a vraiment pas... Ah bah, nickel, on peut y aller. Il y a vraiment pas un chat, là, clairement. Il y a pas un chat, c'est vide de chez vide. Mais bon, c'est bien, du coup, c'est plus tranquille. Au niveau du respect des horaires, ça passe crème. Donc c'est cool. C'est cool. Là, on est... À l'heure, clairement, 0,7 de retard, donc ça fait 30 secondes, c'est tranquille. Le collègue, il est toujours derrière, ouais, je le vois dans mon rétro. Ici, il y a du monde, oui. On va freiner quand même un petit peu pour la dame, et on va se taper le trottoir en plus. Le lag, s'il te plaît, OMSI. Ah, il est long ce lag. OMSI 2, s'il te plaît. Oh là, c'est le décès, hein. C'est le décès. Mais oh là, mais ça faisait longtemps que j'avais pas eu un lag aussi long là. Non, mais s'il vous plaît, ne me dites pas que OMSI 2 est décédé. Ah. Ça sent le décès quand même, hein. Ça sent le décès à ce stade-là, je vois mal comment il pourrait reprendre. C'est relou ce jeu, mesdames et messieurs. Mais faites quelque chose. Ouais. Et ben, ça me semble la fin. Ça me semble simplement la fin. Je pense pas qu'il va reprendre. Bah du coup écoutez, comme la dernière vidéo, donc sur Hafen City, je vais devoir redémarrer. Bah du coup désolé et à tout de suite. Nous avions perdu MC2, nous l'avons retrouvé, il est là le grand, le magnifique MC2. On est reparti. Du coup, les mental offi, il faut tout que je mette mes arrêts par contre je pense. Ah bonjour monsieur. Vous avez l'honneur d'être le premier passager après ce crash. Alors, offi. Offi, nickel. Voilà. Bon, là le bus, pour le coup, il est plus que vide. Et par contre, on a plus le collègue. Voilà, on a plus le collègue, donc bon débarras. De toute façon, il servait à rien. Et puis on l'aimait pas. Voilà, solidarité en contre collègue. Vous pouvez voir que ça vole très très haut. Par contre, non, mais c'est une blague. Il va pas relag ici. Non, mais c'est une blague. Ah oui, voilà. Ce jeu est une grosse blague quand même. Hein.
désolé, mais ce jeu, c'est une blague. Voilà, ça fait 117 épisodes que je fais dessus. Ça n'a pas changé. C'est toujours autant la merde. Mais bon, on l'aime, cette petite merde, quand même. Hein. On l'aime. Hop. Nickel. Après, je sais pas, vous savez que j'hésite un peu à clean mon MC2, parce que c'est vrai que j'ai pas mal de choses. Du coup, j'hésite à le clean. Je sais que mes Solaris de Alter sont totalement plantés, mais ça, c'est pareil, j'avais essayé de les réinstaller. Ils sont toujours plantés, en fait. J'arrive pas, parce qu'en fait, j'essaie de les faire fonctionner en girouette LED, donc avec le patch de Nightcrawler, avec aussi le patch de Morphe, etc., mais enfin, c'est un peu tout planté. Du coup, c'est un peu bordélique à ce niveau-là. Clairement, mais bon, il faudrait que je réinstalle, je pense. Après, les mental, je pense que c'est ce qu'on va faire. Comme ça, ce sera bien clean. Et puis voilà quoi. Je pense que je vais faire ça. En vrai, ce sera bien. Ce sera bien. Là, il m'a bien passé l'arrêt, par contre. Hop, en termes d'heure, on est à l'heure. Bonjour monsieur. Bonjour. Bienvenue dans le bus du bonheur. On va faire ça. Voilà, nickel. Comme ça m'ouvrira que l'autre porte. De toute façon, ils peuvent pas aller là parce que sinon c'est directement dans ma. Dans ma partie, quoi, dans ma cabine, si vous voulez. Du coup, voilà. En termes de chauffage, ici, c'est toujours aussi bon. On est à combien d'ailleurs au niveau du chauffage? C'est écrit dans ce bus de mémoire. Je sais pas où, mais c'est écrit. Je suis persuadé que c'est écrit. On peut pas le sweep ça? Ah, si, c'est ça. Bon, ça, c'est la luminosité. Merde. Il est où le plus? Merde, ça c'est pour modifier ça. Attendez, il fait 31 degrés dans le bus là? 31 degrés 6? Oh là là, il fait 32 degrés, mais mon dieu, mais c'est le Sahara ici. Arrête-moi ça, copain là. Oh là. Elle marche bien, hein, franchement. Hein. Le chauffage marche bien, la climatisation aussi, vous inquiétez pas. Par contre, là j'ai baissé mon rétroéclairage. Je ne voulais pas. Est-ce que si je le redémarre? Ah non, je pense pas que mon rétroéclairage va se remettre. En fait, il y a le moins, mais il n'y a pas le plus, si vous voulez, pour le... Non, dégage, volant. Ça, c'est pour changer le menu. Il y a le moins, il n'y a pas le plus. Est-ce qu'il est plus? Plus. Ok. Bah, dommage. Bon, bah, ça va. C'est pas gênant. Hein. On est... Il fait nuit, c'est pas plus gênant que ça. C'est pas bien grave. Let's go. Ah, attention, on passe par Obdanov. Attention, alors là c'est l'arrêt à ne pas manquer. Ouh, tiens, il y a un collègue juste à côté. Il a quoi lui comme bus? Ok, bah lui il est en facelift K. Ok, très bien. Alors attention, Obdanov, là je peux vous dire que là c'est the challenge of the video. On n'a jamais réussi à passer ici sans se tromper d'arrêt. C'est quoi qui conduit là? Ouais, bah ça va, vous êtes deux passagers, vous allez pas vous plaindre. Vous mettez tranquillement sur les nombreux fauteuils à votre disposition et vous ne vous plaignez pas. Merci. Non mais... Toujours à se plaindre. Alors, oula, bus, Osfar, 13, Osfar. Vous savez quoi? On va suivre le collègue. Moi je vous dis, on suit le collègue. Le collègue, je pense qu'il a raison. Non, en fait, je pense pas du tout qu'il a raison parce que là, il n'y a pas marqué ma ligne. Non, je suis sûr que c'est là. Allez, mesdames et messieurs, hein, je suis quasi sûr que c'est ici qu'il faut aller. J'ai peur, je pense que je me suis trompé. Fallait suivre le collègue parce que si le collègue il vient dans l'autre. Ah non, couac. Oh mon dieu, on s'est pas trompé. Mon dieu, on ne s'est pas trompé de quai. Mais alors là, pour la dernière vidéo sur Home City 2, alors que le collègue tentait de me tromper, j'ai su trouver la voie. Du bonheur et de la vérité. Bonjour jeune homme. Je suis refait là. Dernière vidéo sur MC2. Je suis refait. Je me suis pas trompé de quai, oui. Je sais pas si vous vous rendez compte là, mais c'est quand même quelque chose. Oh, attendez. On crée pas encore victoire parce qu'on n'est pas encore ressorti. Ok, je pense avoir compris. Breznerplatz, c'est ici. C'est ici Breznerplatz, non? Ouais, ok, j'ai compris. Non, je ne me suis pas trompé là. J'ai encore fait aucune marche arrière. Ça compte pas tant que j'ai pas fait de marche arrière. Écoutez, je sais exactement ce qu'il faut faire. Faut repartir comme ça. Là, ici, je le trace tout droit. Hop. Et en fait,
Brisnerplatz, en fait, on reprend de l'autre côté, je pense. Attendez, là, je suis sûr que je tiens un truc, là. Là, je tiens un truc. Je pense faire un sans faute. On va virer la souris, parce que... Oh là là, c'est chiant, la souris. Je pense que je tiens un truc, là. Dites-moi que c'est par là, dites-moi que c'est par là. Connaissance. Mon Dieu, j'ai trouvé, mesdames et messieurs, s'il vous plaît. J'ai trouvé un gros pouce bleu pour cette action magique, alors que depuis... plus de 8 épisodes, il galère à trouver Hauptbahnhof. Il réussit en direct. Mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu, j'ai compris. Ça y est, j'ai compris comment ça fonctionnait, cette histoire. Et en fait, il y a deux arrêts Breznerplatz. C'est pour ça, parce que vous avez le Breznerplatz donc de ce côté-ci, et de l'autre côté, où il y a la 30 et la 40. Et ici, voilà, c'est mon arrêt. Nice. J'ai enfin réussi, mesdames et messieurs. Là, je suis content, là. Je suis content de moi. Je suis content de moi. Et franchement, c'est la galère, hein. Franchement, vous allez galérer, ceux qui vont faire la map, vous allez galérer. Moi, je vous le dis. Hop, lui, il descend par l'avant, bat les couilles. Hop. Allez, reparti. Où est-ce qu'on va? Oh, on a de l'avance, là, on a 3 minutes. Comment ça, on a 3 minutes? Salut, collègue. On a 3 minutes d'avance. Vous savez quoi? Je pense qu'on va virer le retard. On va virer le retard, parce que pour pas que ça fasse une vidéo trop longue... 1, 2, 3, voilà. On régule. On a dit qu'on en a régulé au feu. D'ailleurs, on a feu vert, nous, je crois. Ouais, c'est ça, on avait feu vert. Hop. Je me suis engagé, je savais qu'il y avait feu vert, mais je vous ai quand même montré parce que je me suis dit ah non, il y avait feu rouge. Dans les commentaires, ça allait commencer à gueuler. Mais j'ai tout prévu. Voilà, je vous ai montré, il y a bien feu vert. Et du coup, on va rouler un peu tranquille. Voilà, j'annule le retard. Comme ça, ça va nous faire gagner 3 petites minutes par rapport à la vidéo. Vu que, voilà, pour éviter que ça fasse une vidéo trop longue à upload quand même. Surtout qu'il se passe pas grand chose. Hein. C'est vraiment de la conduite tranquillou. Vous voyez, oula, bah ça va toi. Par contre, tu demandes l'arrêt un peu au dernier moment. Mais non, clairement, il n'y a pas grand chose à faire. Bah, il y a encore un qui descend par l'avant, mais c'est pas possible. Bonne soirée. Ouais, dis pas au revoir, connard. Oh là, aucune politesse, hein. Aucune politesse, les gens, mesdames et messieurs. Ça y est, passé minuit, plus de bonjour, plus de merci, plus d'au revoir. C'est un drame. C'est un drame, c'est un drame. À quoi il sert ce feu là? Oh là là, y a pas de piéton, à quoi il sert? Oh, vous savez quoi? Je me suis mis en plein milieu du passage piéton, donc autant le griller. J'ai pas fait exprès de m'arrêter aussi loin, mais y a personne. Y a personne, je suis désolé, y a personne qui traverse. Voilà. Personne, il y a personne. À un moment, on va pas inventer des piétons. Voilà. Je sais pas qui a encore appuyé sur le feu alors qu'il voulait pas traverser là. C'est encore des jeunes qui n'ont rien à faire en cette soirée. En ce mardi soir, ils n'ont rien à faire dehors. Alors que demain, il y a école. Bonjour monsieur, tiens, ça fait plaisir. Bonjour ou plutôt bonsoir. Hop. Allez, moi je roule tranquille hein, du coup. Hein. Je roule tranquille là, comme je vous dis. Je vais pas fort du tout sur l'accélérateur puisque on a de la marge. On a même beaucoup de la marge. On a même beaucoup, donc bon. Oh, ça c'est sympa ça, ce petit chemin. Oh, bah tiens, allez hop, photo. Photo souvenir, mesdames et messieurs. Oh, très sympa. Très sympa et même peut-être un petit peu plus sympa, attendez. Sympa. Ouais, j'aime bien. J'aime bien ce petit coin là avec la petite voiture garée. Petite zone 30, on remarquera le détail du pas d'OCD de passage qui est un petit peu de travers. Ça, c'est ce qui est franchement bien fait hein. Sur le mental, c'est qu'il y a vraiment pas mal de détails qui sont extrêmement sympathiques à voir, donc c'est vraiment cool là-dessus. Par contre, ne me dis pas comme si de Turan là, s'il te plaît, j'aimerais finir ma ligne et ma vidéo par la même occasion. Non, non, mais c'est une blague, mais ce jeu est une vaste blague. Ah, ouf. J'ai cru que j'allais encore devoir redémarrer. Je vous dis, c'est vraiment une blague ce jeu. Il supporte très mal la nuit. Mais alors très mal. Je vais vraiment le clean, hein, une fois qu'on aura fini notre tutoriel, le let's play, etc. Je vais le clean, comme ça sera fait. Hein. Parce que bon, hein, ça va 5 minutes à avoir tous les bugs de la Terre, mais voilà. Bonjour. Monsieur. Bonsoir, bonsoir. Ah, il a dit bonjour aussi. Nice. En tout cas, le petit patelin que j'aime bien. Je me souviens pas du tout d'être passé ici avec la 39. Je me souviens pas du tout avec la 39, je sais plus en quoi on l'avait faite la 39. On l'avait faite, ça c'est sûr. Mais avec avec quel véhicule, je me souviens plus. Je me souviens plus. Après peut-être qu'on avait pris. Ah oui, peut-être qu'on avait pris une. Parce que il y a plein de services qui sont partiaux en fait.
qui sont partielles, excusez-moi, sur les mentales. Et donc du coup c'est possible qu'en fait on avait pris la 39 et qu'on avait pris qu'une petite partie et du coup on n'était pas passé par là. En tout cas je me souviens pas du tout d'être passé par là. Pas du tout du tout. Hop. Merde, je me suis trompé, non? Pourquoi il me l'affiche plus là la 31? Attendez. Ah ouais, non mais c'est quoi cette signalisation, mesdames et messieurs? Non, non, non. Non, là je suis désolé, je refuse. Je refuse d'avouer que je me suis trompé. Regardez la signalisation, c'est impossible à voir. Regardez. Vous êtes là, bah je suis désolé, moi j'arrive, je regarde pas ici quoi, je regarde en face de moi. Là je suis désolé, je refuse. Je refuse, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord, c'est un petit peu abusé ça. On essaie de nous la mettre à l'envers, hein. Moi je vous le dis. C'est pas legit. Hop. Bon, on fait quand même un petit peu attention parce que entre la voiture et le poteau, nickel. Hop. Bon, j'ai pris bien large, mais bon. Comme ça, y a pas de souci. Pourquoi il veut pas me mettre les feux? Il veut même pas me mettre les feux alors que pourtant je suis en feu de croisement. Il veut même pas me mettre les feux de route. Qu'est-ce que c'est que ce bus? Bah non, il veut pas me les mettre. Ok. Bah tant pis, pas de feu de route. Hein. Pas de feu de route, pas de feu de route. Tant pis. Mais j'ai l'impression qu'on fait le tour du pâté de maison là et que ça sert strictement à rien. Gartenweg, attendez. Ouais, je. Mais non, mais qu'est-ce que je fous? Mais on va à Königstrat, nous. Attendez là, attendez. J'ai réussi à passer Hauptbahnhof et là je suis en train de me planter sur cet itinéraire stupide. Königstrat, ouais, bah nickel, Königstrat à droite. Il me redit à droite. Attendez. Là, c'est juste le petit tour du patelin. On est d'accord qu'il n'y a pas d'autre chemin là. Là, je suis pas censé reprendre par là. Là, c'était quoi juste l'arrêt là que je regarde? Gartenweg pour la 31. Je l'ai passé le Gartenweg. Il y avait le monsieur en plus. Là c'est tout droit, là je pense que c'est tout droit et que c'est mal indiqué. Je pense, attendez, on va quand même arrêter plus loin. Ah je vois 31, ouais ouais, non c'est mal indiqué. C'est mal indiqué, là il manque un panneau 31 mesdames et messieurs, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord là Oh putain, en plus il arrive pas à me passer le rapport le galérien là. Ça y est, ça y est. Je suis pas d'accord. Désolé, il y a un défaut de signalisation. Voilà. Pour ceux qui font la 31, faites gaffe, ils tentent de vous piéger. Attention, attention. Ouais, voilà, c'est ça. Et puis là, on peut prendre l'autoroute. C'est ça ou pas? Gartenweg. Ouais, on a 2 minutes. Non, peut-être pas là. On va peut-être aller justement à GDSK avant de prendre l'autoroute. Je pense que c'est ça. En termes de retard, on en a. Ouais, 1 minute 2, tranquille, ça va être rattrapé de toute façon. Hop. Mais non, je suis désolé là, on a encore tenté de me tromper là. Déjà, le bus là qui passe par un autre petit chemin et tout pour me faire croire que c'est moi, que je dois le suivre et tout, non. Non, je valide pas. Et là en plus, je valide pas non plus là, je suis désolé. Attendez, on tente de mettre des bâtons dans les roues là. Non mais. Alors, du coup, il y a personne ici. Bah, il y a jamais personne ici de toute façon à Groot Sauvé. Il y a très très rarement du monde. En tout cas, on peut voir que cette nuit est assez grisâtre, hein, pour le coup. Voilà. On voit les étoiles, mais bon, le ciel n'est pas bleu, bleu, bleu. Hein. Clairement, c'est pas encore gagné. Hop. Donc là, c'était la dernière fois que je m'étais planté avec la 30. J'ai oublié de tourner à gauche, j'avais fait une marche arrière. Donc là, ok, je suis d'accord. Mais là, je suis désolé. Il manquait du panneau. Il manquait du panneau. Hop. Bonjour, monsieur. Bienvenue. Yep. Bon, là normalement on a feu rouge pour les bus. Bon allez, on va respecter. Yep. Soyons bons conducteurs s'il vous plaît. Un petit peu de respect, ça ferait pas de mal. Yep. Alors qu'on a une petite zone de travaux devant. C'est une plaque d'égout qu'ils sont en train de refaire. Bon lui il s'en fout, alors lui la plaque d'égout je pense qu'il l'a mangé. Il a mangé les graviers, le balisage, il a tout mangé lui je crois. Cet irrespect des PNJ. On ne dira rien.
On dit rien, ça y est, on a feu vert pour aller à gauche. Hop. On ne dira rien, mesdames et messieurs. Hop. En même temps, qu'est-ce qu'il fait là à marcher? Je sais pas vers où il va, le gars. Hein. Il marche tout droit, je sais pas où il va, il n'y a pas de maison par là. Voilà, 1h30 du mat. Enfin, minuit 30, pardon. Le gars, il est dehors. Il est dehors et il s'amuse. Hop, voilà. Talspire, prochain arrêt. Talsperre, pas Talspire, mais Talsperre. Mais d'abord, on va passer aussi par la zone de travaux. Il y a une zone de travaux un petit peu plus loin en circulation alternée, mais qui est un petit peu buggée. Je sais pas si ça va bugger là aussi parce qu'il y a moins de trafic. A voir. Le pont là a l'air sympa en fait. Je pense qu'on va prendre notre miniature sur le pont là. Parce que ça a l'air bien bien stylé quand même. Hop, ouvre-moi les. Toutes les portes. Ouais, non, c'est pas ce que je voulais faire, mais pourquoi pas. Pourquoi pas. Mais non, c'est ce bouton pour qu'il y ait que les portes où les gens demandent qui s'ouvrent en fait. Merde. Hop, voilà. Allez. Enjoy. Enjoy, enjoy. La photo. En fait, je pense que. Je suis sûr que là, je suis en train de faire 15 milliards de photos, mais je vais prendre en vrai la photo avec le. Ouais, parce que là, c'est pas. Ouais, c'est pas si joli que ça en fait. Non, je prendrai la photo, je suis sûr, avec les fesses du O530L, le collègue qu'on avait en première partie de vidéo avant que ça crache. Je pense que ça va finir comme ça, la miniature. Voilà, on va dire c'est des photos plaisir quoi. Est-ce qu'il me l'a passé, Bassligen? Non, il me l'a pas passé. Oula, d'ailleurs, il y a une dame non? Pour moi, pas pour moi. Non, oui, non, non. Yep. Très bien. Très bien, très bien. Petite piste cyclable à côté. Et donc du coup là on va faire demi-tour à un endroit, on va repartir en arrière je pense, de mémoire c'est comme ça, et puis on va aller choper l'autoroute. Là par contre il y a du monde. Attention aux cyclistes quand même. Bon j'ai regardé trop tard, hein. Là s'il y avait un cycliste je l'avais déjà shooté. Hop. Bonsoir monsieur, oui. Bonsoir. Mais lui, il saigne lui des épaules, ils sont chelous ces PNJ, hein. Ils sont chelous moi je vous le dis. Hop. Allez, s'il te plaît, Homsi, fais un effort. J'aimerais finir cette vidéo. Je sais que c'est compliqué. Mais s'il te plaît. S'il te plaît, s'il te plaît. Oula, la petite descente. On va essayer de le pousser un peu. Vous savez quoi dans la descente? Oh là, oh là là. Un monstre. Un monstre, un monstre. 90 km/h. Vitesse max. Voilà. La petite folie de la descente, mesdames et messieurs. Alors attention, par contre là c'est gauche-droite, c'est gauche de mémoire. Parce que j'ai vu. Ouais, c'est ça, c'est gauche. On va s'engager sur l'autoroute. Donc on va bien voir s'il y a du monde sur l'autoroute ou pas. Hop, on va bien voir. D'habitude il y en a. De nuit je pense pas qu'il y en ait plus que ça non plus. On va bien voir. Hop. Ouais, bah y'a personne. Hein. Non, il y a personne. Alors là, il y a personne de chez personne. Là. Clairement, nobody. Nobody, nobody. Bon, on va rouler à 80, vous savez quoi. Voilà. Stylé. Stylé, stylé. Voilà, les petits panneaux aussi qui annoncent l'imitation. 100 km/h, c'est stylé aussi. Alors qu'on a notre destination qui est fléchée, du coup, Konistrat, Lemental Airport. Hop. C'est sympa. C'est sympathique, c'est sympathique. Et ouais, là on a vraiment personne alors que d'habitude on a tout un peuple. On peut se mettre les feux de route, mais du coup faut rester appuyé, c'est un petit peu la galère. Je sais pas pourquoi ils ont fait en sorte que qu'on puisse pas les mettre en fait, même avec les feux de croisement. Je sais pas. Je sais pas. Ah si, ok, si, non mais ça y est, ça me revient. C'est parce qu'en fait c'est super bien scripté en fait, faut rester appuyé pour que ça les laisse. Et comme ça, voilà. Et comme ça, ça vous laisse la possibilité de faire des appels de feu. En fait, c'est voilà, il est trop bien scripté pour moi ce bus. Franchement, Solaris PL, ce pack qui est franchement magnifique. Le lien en téléchargement, si ça vous intéresse, voilà, très 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 largement mieux que celui de Altair. Hein. Voilà, sans vouloir détériorer le beau travail d'Altair. Je suis désolé, mon pote, mais là, ce que nous ont sorti les Polonais, c'est le feu. C'est le feu en fait. Voilà. Et comme ça, on peut faire des appels de feu même en ayant les feux de croisement. Quoi. C'est nice. C'est nice, c'est nice. Je pense que pareil, on va avancer le temps. Bah quoi? Bah non, c'est bon en fait. Je pensais qu'on aurait pris beaucoup plus d'avance, mais non en fait. Ça va. Tranquille, tranquille. On aurait pu faire un petit tour au niveau de l'aire de repos. C'est vrai, on avait un petit peu de temps. Histoire de visiter.
Bon, il n'y a pas grand chose, il y a juste des chiottes. J'ai l'impression qu'il n'y a pas plus. Des chiottes, des places de parking et de la végétation. Pas l'impression que. Il y a beaucoup plus de choses sur cette aire de repos, mais bon. En plus, on y est déjà passé de mémoire quand j'avais fait ma petite technique de parisien parce qu'il y avait des bouchons. CF, les autres vidéos. Voilà. On n'en dira pas plus. Alors, lui, j'ai très peur qu'il se rabatte sur la file de droite. Ah non, ça va. Ouf, il va à gauche. Voilà. Et il se sent obligé de freiner à 30 km/h. Voilà. Hein, parce que, bien sûr, quand on change de voie, on freine. C'est bien connu. C'est bien connu, voyons, mesdames et messieurs. Et là, ça y est, on sort à Konistrat. Du coup. Hop. Et on va prendre à droite, je pense. Yes, c'est ça, à droite. Hop. Ok, alors on freine quand même un petit peu. Hop. Les sons, franchement, nice. Hein. Les sons sont magnifiques. Hein. Oula, feu rouge. Hop, Amblogun, est-ce qu'il me l'avait passé? Non, je vais le passer. Bah même il m'avait rien passé du tout lui. Il marche à moitié, Stibis. Amblubunik, bah ça y est, il y en a qui veulent descendre. Il marche qu'à moitié, Stibis, moi je vous le dis. Hop. Nickel, alors de mémoire c'est ce bouton. Ouais voilà, c'est ça, c'est ce bouton. Et là, les gens appuient et voilà, ils sortent direct. Et ensuite, j'ai juste à le remettre comme ça et tout se referme. Voilà, nickel. C'est le petit bouton magique et c'est aussi le petit inconvénient de ce bus. C'est que pour avoir les portes vraiment automatiques, etc., il suffit en fait d'appuyer sur ce bouton. Mais du coup, faut le faire avec la souris. Je pense pas que ce soit configurable. Je ne pense pas. C'est le petit défaut, mais bon. C'est pas gênant. C'est pas gênant, c'est pas gênant. Hop, alors là, feu vert ou pas? Oui, feu vert, nice. Oula. Qu'est-ce qui se passe? Oula, Kekiga. Ah bah, il y a du monde à l'aéroport quand même. Stickerburg. Il y a du monde à Stickerburg. On va ouvrir devant, derrière, parce que j'en ai vu en partir à l'arrière. Bonjour. Hop, c'est la dame qui est partie à l'arrière, nickel. Nickel, nickel. Bon bah là, on est à Flughafen, on fait le petit tour du patelin, on passe par l'Aratos, donc la mairie, et puis on arrive directement sur la gare. Là, je connais, hein, franchement. Parcours, je connais. On l'a fait 4 fois quand même, hein, donc bon, avec 4 lignes différentes. Donc au bout d'un moment, ça commence quand même à rentrer. Hein. Voilà, Flughafen. Et en plus, comment ça se fait qu'on l'ait fait 4 fois ce truc alors qu'il y a que 3 lignes qui passent par là? Qu'est-ce que c'est que cette histoire encore là? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Bonjour. Oui, pourquoi? Mais pourtant je me souviens qu'on l'ait fait. Ou alors on l'a fait 2 fois. Je sais plus. Je sais plus. Oula, attention, le petit feu quand même. On va éviter de griller. Mais je sais plus. Là faut regarder le feu de droite parce qu'on va tout droit. Je sais plus en fait. Non, bah. Il ne sait plus. Il ne sait plus. En plus, ce qui est vachement bien avec ce Solaris sur VinOPL, c'est que vous pouvez tout configurer. Je suis sûr que là, la texture des boutons et tout, vous pouvez la changer et tout, mettre du coup des vrais trucs à redemander comme on a en France. Il y a vraiment moyen en fait de faire un Solaris français à partir de ce PL, je pense. Clairement. Clairement, clairement. Hop. Nickel. Du coup, on va passer l'arrêt parce que il me l'a. Ouais, voilà. Nickel. Bon là on fait vraiment le petit tour du patelin, hein, c'est histoire de dire quoi, on repasse par là, on fait demi-tour, on va s'arrêter de l'autre côté. Hop. En tout cas voilà, le 12 mètres largement suffisant pour accueillir la populace de cette soirée, mesdames et messieurs. Ouais. On regrettera quand même le petit bip bip lors de la fermeture des portes qui est disponible uniquement sur l'Euro 4 de mémoire. Hein. De mémoire, aussi sur l'Euro 4 on a les feux LED qu'on n'a pas sur l'Euro 6 aussi, ça c'est étrange. Voilà. Après c'est peut-être, en fait les petits feux LED en fait c'est, je pense que c'est lié à la livrée en fait. Donc c'est pas lié directement au. Ouais, je sais plus, mais je pense que c'est lié à la livrée en fait, cette histoire de feux LED à l'avant, enfin feux LED, feux de jour si vous voulez. Et par contre pour la plaque là, parce qu'on n'a pas de plaque, je sais pas, par contre je pense que c'est lié à la livrée ça aussi. Je pense. Bon allez,
Et copain, s'il te plaît. Le mec qui force à peine, vous savez. Ah, voilà, c'est bon. Hop, je peux faire mon petit demi-tour. Nickel. Voilà, c'est bien fléché. Hein. Là, par contre, vous pouvez pas vous perdre avec les trois flèches dans le virage. Ils vous disent de faire demi-tour. Voilà, là, on s'arrête encore ici. À tous les coups, il y a quelqu'un. Voilà. Hop. Alors que, en soi, elle aurait juste à traverser la route. Bon, c'est vrai que c'est un peu dangereux quand même à traverser cette route. Il y a un petit peu plus loin, mais c'est vrai que c'est un petit peu loin. Donc, bon, on va rien dire. On va rien dire. Bonsoir, madame. Hop. Elle a pas dit bonsoir, par contre. Elle a pas dit bonsoir. J'ai remarqué, hein. J'ai remarqué. J'ai l'œil, moi. J'ai l'œil. Bon, ça, c'est ceux qui veulent descendre du coup à la Rathouse. On va être sur notre droite. Rathouse. Ouais, je connais, hein, je connais. Franchement, là, ici, je. Voilà. Je maîtrise. Hein. Je maîtrise. C'est vrai que maintenant, je commence quand même à la connaître un petit peu cette carte de l'Elemental. À force, quand même. C'est vrai qu'on a pas mal de lignes. Et pas mal de lignes qui empruntent aussi généralement le même itinéraire. Avec des variations un petit peu différentes, etc. Donc bon, c'est vrai que j'ai appris à la connaître. Bonjour madame. Derrière, ça descend. En termes d'horaire, ouais, je suis un peu en avance, mais bon, on est sur la fin de la ligne, hein, tant pis. Là, à mon avis, il y a encore un arrêt et après c'est le terminus. Nickel. Ah non. Ah non, bah en fait, non, il n'y a même pas d'autre arrêt. Après la radio, c'est directement le terminus. Ok, bah nickel. Et cette fois-ci, par contre, on va pas faire comme la dernière fois où j'avais oublié de les déposer au terminus comme j'avais fait l'autre dernière fois. On va le faire un petit peu mieux et on va bien les mettre au terminus en fait. Alors qu'avant, je les avais, enfin, dans la dernière vidéo, je les avais posés là avec le Citywide. Alors qu'en fait, on est censé les poser au terminus. Même si notre fiche horaire s'affiche sur les quais qui sont ici, quoi. C'est plus RP si vous voulez de les poser au terminus prévu à cet effet, voilà, alors que pourtant là-dessus, voilà, il n'y a pas marqué de les déposer au terminus. Enfin bref, je vais arrêter de parler moi parce que je vais vous embrouiller à force. Hop, nickel, feu pour moi. Hop. Parfait. Et du coup là on va au bout, on tourne pas ici. On va au bout et on va tourner là. Voilà, pour les mettre ici à la Endaltestelle. Voilà. Hop. Nickel. Hop, allez, que je te pose tout le monde. Bonne soirée, mesdames et messieurs. Ici, il me l'a passé en banoff. Non, mais en fait, non, copain. Tu me mets en Dienes Fart truc chose. Ici, tout le monde est descendu. Et on va aller choper notre fiche horaire. Qui est du coup là-haut. Hop. Bon, bah, ligne plutôt tranquille. Hein, clairement. Du soir, on n'a pas eu de soucis, on a un petit peu blablaté. À propos de l'Elemental, en tout cas, je vous recommande vraiment la map. Donc déjà, je suppose que la V3 doit être bien sympa, mais alors la updated, vraiment excellente. On était même en avance à Open. Ah oui, c'est vrai, c'est là où on avait pris de l'avance et je m'en étais pas rendu compte. Donc voilà, clairement voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère qu'aussi le fait qu'on ait fait l'Elemental vous aura plu. J'espère que la map vous aura plu. En tout cas, moi, clairement, j'ai pris beaucoup de plaisir à la faire en vidéo. C'était très sympathique. Et du coup, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Vous retrouverez le tutoriel et la liste disponible dans la prochaine vidéo, tout simplement. Ou dans 2 semaines, ça dépend si je fais de la TZD entre-temps. Je vous dis à la prochaine. Allez, salut tout le monde!